parfois vraiment trompeuses. Les vies bienheureuses ne sont pas toujours celles qu'on pense. Si parmi vous certains croient que leur vie manque de gaieté, faites plutôt comme vous voyez la vie du bon côté. Car oui, nous on s'amuse, même si on n'a plus rien, on a choisi de garder. À Londres, messieurs, dames, mais en 1549. À la cour, il y a Sa Majesté le roi Henri VIII qui règne sur le pays. Et il y a son fils, Édouard Tudor, le prince héritier de la couronne qui vit au château loin des rues crasseuses de la ville. Mais il y a aussi un autre garçon, Tom Canty, notre pauvre, qui vit une vie bien différente de celle du prince, comme vous pouvez l'imaginer. Vous vous prenez le roi des fous, yes. Au moins, y a un roi qui vient de chez nous. Le roi de tous les sans le sou et des voyous. Vous vous prenez le roi des fous. Ça nous fait un roi qui vit parmi nous. Allez, petit roi, chante avec nous. Gloire au roi fou, fou. Dilemme. Ah.
supérieur ne peut accueillir que 60 élèves. Et il me semble difficile d'en accueillir un de plus. Et un talent, et laisse venir le noir, plus de l'air, plus de temps, plus d'écoute, ni regard. Un ange nu, Marie, te plonge dans le brouillard, tu es roi de tes nuits, et la douceur du soir. Intention. Madame, si vous pouvez me montrer la moindre obscénité. J'attends de vous